Autre chose maintenant dans l'actualité, Marie. Le SICOM, on en parlait dès hier, le temple de l'informatique s'est ouvert et nous allons voir avec Michel Chevalet qui se trouve sur place. Michel, quelles sont les nouveautés? Quel est votre panier à vous? Ah, j'ai fait le panier de la ménagère et vous allez le voir sur ces images. À vous préciser tout de même que c'est la dernière fois que le SICOM d'automne se tient ici et il sera dans la banlieue nord de Paris. Alors, parmi les grandes nouveautés, il y a toujours les grandes batailles commerciales. Le roi incontesté, bien sûr, de micro-informatique, c'est IBM qui domine son marché. Et j'oserais dire, pour survivre face à ce géant américain, il faut être compatible. Autrement dit, adopter les mêmes normes. Alors, grande compatibilité, une très grande réussite, c'est Compact, une firme américaine qui est arrivée à se mettre dans le sillage d'IBM. Et puis, comme les prix baissent de 15 à 20% par an, eh bien, il va y avoir des nouveautés. C'est-à-dire qu'on a un écroulement. Alors, il y a la grande percée de l'anglais Amstrad, qui vous sort tout de même un petit ordinateur pour 12 000 francs, tel celui que vous voyez. Et puis, on annonce des clones, c'est-à-dire des ordinateurs à seulement 5 000 francs. Enfin, aiguillonné par la concurrence, Apple. Eh bien, Apple s'est mis à la couleur, vous l'avez vu. On utilise le disque optique pour stocker les images. Enfin, les Japonais, vous voyez ici une démonstration, eh bien, tentent toujours une timide percée sur le SICOM, mais ce n'est pas encore le grand déferlement qu'on était en droit d'attendre. Donc, je résume, grande diversité de matériel et puis surtout des prix qui descendent de 15 à 20% par an. Moi, ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les grandes tendances. Parmi ces grandes tendances, vous avez l'utilisation des techniques graphiques, c'est-à-dire c'est la conception assistée par ordinateur. Là, sous vos yeux, ça remplace en quelque sorte la planche à dessin et c'est un circuit d'une carte électronique pour un ordinateur personnel. Vous voyez, tout se dessine. Et puis, eh bien, regardez un peu. Voilà, je l'ai sorti. Ah, mon cher Yves, ma chère Marie-Laure. Ça amusera votre fille, Marie-Laure. Ça, c'est ce que sort une imprimante. C'est ce qu'il y a dans un microprocesseur, c'est-à-dire dans une petite puce. Voilà, tenez mon cher. Merci, je vous le laisse. Alors, le panier de la ménagère, comme je vous le disais, c'est surtout la qualité graphique des ordinateurs, par-delà leur performance. Alors là, vous avez par exemple Commodore, qui était connu sur ses jeux, qui a sorti son Amiga dès l'année dernière, et qui fait un mariage judicieux entre l'image de l'ordinateur et puis l'image d'un vidéodisque. Alors, on va la voir apparaître. Voilà, le vidéodisque qui vous sort, hop, et voilà, c'est parti. Et vous voyez, c'est presque de la télévision haute définition. Parmi les nouveaux produits, il y a toujours les portables, vous voyez, hein, avec un disque dur. Vous voyez tout de même que c'est pas gros, hein, un ordinateur avec un écran à plasma. Et puis tout de même, les Français sont bien présents. Notre marque Goupil, le petit ordinateur, vous voyez, il tient dans une mallette avec son écran ici à cristaux liquides. Ça, c'est du beau travail. Je continue, on parle beaucoup de la photocopie. Alors regardez, il y a des photocopies en couleur, on attend, j'allais dire, le relief, mais regardez, voilà, cette petite machine, c'est le plus petit photocopieur du monde. Il va, allez-y, allumez-moi, montrez-moi voir ça, vous appuyez ici, vous voyez là, il va illuminer hein, sa page, ici vous le voyez, avec les infrarouges, et allez-y, on va lire un document, il va vous le photocopier devant vous. La petite imprimante est thermique, on met au contact le papier, on illumine par infrarouge, et voilà, et j'ai photocopié. Merci mademoiselle, regardez, voilà, voilà, on fait le point là-dessus, vous voyez, c'est tout de même, c'est étonnant. Enfin, vous vous souvenez de la plus petite caméra du monde que l'on doit à System Sud, voilà son inventeur. Et croyez-moi, les Japonais ici, hein, la publicité, c'est mieux que les Japonais, la France au cinquième étage. Cette plus petite caméra, regardez, voilà, vous la branchez, vous allez montrer l'image de monsieur, vous allez voir Yves la démonstration, c'est tout de même étonnant, comment on fabrique des badges. Allez-y, prenez la photo de monsieur qu'on la voit bien sur le téléviseur. Bah, on peut voir ce que donne votre caméra, voilà. J'en veux un. Oui, Yves en veut une. Promenez la caméra, voilà, vous voyez, l'image de cette caméra. Alors maintenant, là, il y a une imprimante, Yves, remarquable. Allez-y, prenez la photo de monsieur. J'en veux une. Vous en voulez une? Oui, je sais. J'entends bien, Yves. Vous allez en avoir une. Le photocopieur aussi. Et le photocopieur, c'est fait, hein, Yves. Photocopieur, c'est fait. Allez-y, prenez la photo. Il n'y a rien d'autre? Attendez, on a pris avec cette caméra la photo de monsieur. Et comme on parle beaucoup de systèmes de sécurité, vous voyez, ça y ressemble. On fait des badges instantanément. Voilà, Yves. Je la veux. Vous la voulez? Pas le monsieur, mais la machine. Pas le monsieur, bien sûr, mais la caméra, c'est vendu. Bon. Il n'y a rien d'autre? Rien d'autre, disons. Oh, si, alors là, on y passerait des journées entières. Moi, si vous voulez, je vous donne rendez-vous demain à 13h ici. Oui, ben, continuez à chercher. D'accord.